Bonjour à tous et à toutes, je suis Rylus et voici la suite de Neverwinter Nights. La dernière fois, des petites quêtes annexes, je dis que j'ai le scan, j'y suis pas allé parce que j'ai fait la chasse au loup-garou, tel un chasseur pour l'église, tel un Van Helsing ou bien un Belmont, même si c'est plus du chassage de vampires, j'ai envie de dire, mais on s'en fout. Et maintenant, bon. Alors on va peut-être aller à Luskan parce que c'est pas que j'ai dit que j'y allais, mais j'ai envie d'y aller. Et que c'est la dernière partie du jeu. Et qu'après c'est peut-être le final et que j'ai des trucs à dire à Ribes et qu'on a envie de savoir la fin de son histoire. Alors. Le nord. L'autre côté. Donc évidemment, ce qu'il y a à faire, c'est sur la route aussi, il faut chasser. Chasser, donc il faudra finir la petite quête du chassage de vampires, hein, le chasseur de loups. Il y a juste ça à faire et après on est très bien. On a fait pas mal de petites quêtes et ça c'est cool. Je suis blindé de thunes comme d'hab. Et je bois un chocolat. C'est une information inutile mais bon, fallait le dire. Voilà, c'est les moments où je fais rien, c'est parce que je bois un chocolat. On va au moins essayer d'arriver jusqu'à le scan. Faire une bonne partie de ce qui nous est demandé. Et après, bah, on ira bien, on se sera cool, tout est ok. Je peux pas me mettre un peu plus bas, non, je vais me faire foutre, très bien. On va me faire une petite sauvegarde. Et je me fais attaquer, oui. Ça rame du cul. Des sangliers qui ont. Alors, vous voyez peut-être rien, parce que c'est un peu noir. Je me fais attaquer de partout là, comment ça se passe? Ça repop. Est-ce que ça repop magiquement? Ce que j'aimerais savoir un petit peu, parce que non, je ne suis pas d'accord. Alors c'est ultra noir pour moi par contre. Donc du coup, voilà. Là c'est un peu mieux. Alors peut-être que vous le voyez peut-être pas, mais j'ai augmenté la luminosité directement sur l'écran et pas directement dans le jeu. Alors, ah voilà. On était juste là, et puis, c'est tout. Donc on va suivre le chemin, bonjour, j'ai gagné, au revoir. Alors on va continuer. Non, un peu plus de chemin. Là, c'est juste la suite. Oh, il y a du bruit, j'aime ça, le bruit. Oui. Non, t'as... Alors ça rame du fion. Alors allons sur la droite. La droite. D'accord, là il n'y a rien. Il y a un petit arbuste. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arbuste qui fait un bruit de coffre. J'avoue, c'est pas mal. J'avoue, là on va se farcir un ours. Allez, petit entraînement, petit échauffement, petit critique. Attaque sournoise. Critique à quête sournoise, mais c'est trop bien. Bah voilà. Le level up, on l'avait passé. Oui, on l'avait passé. J'ai un petit. J'avais augmenté mon point de force aussi. Je me suis mis un point dans la force qui me permet de prendre 6 kilos, on va dire. 6 kilos de plus sur moi. Ce qui n'est pas négociable. Parce que c'est quand même pas mal. Et là, on a une grotte. Alors, là. J'avais pas vu les loups. J'ai marqué quoi? Grotte. Alors. Techniquement, c'est là que doit se trouver le dernier. Le dernier méchant, le dernier loup-garou, le prêtre de Karatiste. Le monsieur Karatiste, évidemment, si tu veux bien. Allez. Route du Nord. Ah, ça commence bien. Bon, on a des loups, petite zone. Le méchant, il se trouve par là. Donc on va save. Petite zone. Bon, petit combat. Hein. Dalin me regarde tuer des chiens. Il doit se dire que c'est pas de son niveau et je le comprends parce qu'il se tape beaucoup plus gros que ça. Moi, il faut juste que je me trouve le loup-garou. Ah non, le sanguinaire. Bon, on a un niveau au-dessus, Dalin. Merci. Après, je pense que je vais quand même faire en sorte que Dalin se repose un petit peu parce qu'il est quand même sur une vie moyenne. Enfin, il est quand même blessé.
Ah, les ennemis sont proches. Dalin, recule. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous avons? On repère de Louis Roy. Eh bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, du coup, on le tue. Je me téléporte. Petite ellipse pour revenir à la route du Nord. Et puis, voilà. Voilà. Tout est calculé. Et le loup-garou, il est juste là-bas. Avec 1, 2, 3, 3 coffres, mon gars. Bon, je pense qu'on va le défenestrer. Par contre, il a une nette gueule. Regarde-moi ça. Ah, j'aime beaucoup, mais... moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je suis, alors, karatiste cœur de fer. Alors, par contre, musique, calme-toi. Vous m'offrez de l'argent, ne savez-vous pas que j'étais un chasseur dans le garou. Si j'avais bien d'argent classique, peut-être me soucier la bénédiction de Néoric. Réussite! Yeah! Ouais, alors attends. 71 points, objet obtenu. Journal intime de Cercle Artiste Cœur de Fer, journal mis à jour. Objet perdu. Tiens, c'est preuve de souffrir pour me sentir sûr que j'arrive. D'accord, bah qu'est-ce que tout. Ouais, tu vas disparaître. Tu vas disparaître, ouais. Attention, disparition. Waouh. Alors, prenons le temps pour lire le journal de Karatiste. Ah, oui, c'est le bordel dans mon inventaire. Journal intime de Sir Karatiste Cœur de Fer. Puissent les armées célestes déverser une pluie de feu sur l'ennemi. Allez-leur. Allez-leur, le loup-garou. Allez-leur, le chef de la meute. Cela fait des années que je le traque, et d'une seule morsure, il m'a transformé en cette monstruosité que je hais plus que tout au monde. Alors qu'il est, il doit se cacher bien tranquillement sous son aspect de marchand, c'est certain. Alors que l'infection enflamme dans mes veines, j'ai involontairement frappé les pauvres garçons, propageant le mal un peu plus encore. Mais l'un d'eux a tout de même réussi à éviter mes coups, Ander, le plus jeune. J'espère qu'il pourra revenir en ville et raconter son histoire à Neuric, le prêtre. Nul doute que ce dernier enverra des hommes me traquer. Pourvu qu'ils réussissent à me tuer et que je ne les transforme pas à leur tour. Puissent les dieux avoir pitié de moi. Oh oh, mais ces claquettes n'est pas finie. Déjà prenons les coffres, dévalisons cet endroit. Alors le coffre, ah oui mais il y a des têtes cadavres, oh c'est dégueulasse. Coffre, petit 50 d'or, tranquille. Comment ça se fait que j'ai une réussite à 28 sur mon jeu de crochetage? Ah non, 41. Ah, ça m'a fait peur. Deux... Oh, des flèches nulles. Bon, là, on a vu, il y a le piège. Hein. Du coup, mon journal mis à jour. Ah, il semble finalement que Sir Curtis le Carrefour ne soit pas non plus le loup-garou noir et est entré dans la caverne à l'est. Nanana. Donc oui, il faut rapporter cela à Neuric. Vite. La pierre de rappel. Neuric, bonjour. J'aurais besoin que tu me sonnes aussi. Je connais l'identité du loup noir, Neuric. C'est allé l'heure. Vraiment? Mais alors, dans ce cas, j'ai à peine à dire cela moi-même, mais il faut le détruire, il faut mettre un terme à l'addiction du loup noir. J'aimerais avoir le demander, mais... Si on peut, mon frère, faites-le, ramenez-moi ses dents. Je vais m'en occuper. Oui, mais... attends. J'aimerais déjà que... qu'on me soigne. Alors. Alors, un marchand qui vend des charmes anti-contrape avec grandeur dans l'auberge de l'Alliance. Auberge de l'Alliance, et ben on y va. En plus, c'est pas loin. Donc, du coup, c'est cool. D'autant que si j'ai bien lu, c'est un mec qui donne des remèdes anti-lycanthropie. Qui est lui-même un lycanthrope. C'est. Pas du tout compliqué. Maison d'Alélor, l'écume, et ben l'écume, l'enclume. Oui. Alors, comment ça se passe? Le français, tout ça. Donc on va aller à la maison d'Alélor. Alélor, c'est quand même un nom. Auberge de l'Alliance, tiens. Comment qu'on aille là? Alors soit il est là, soit il est pas là. Paysan, pays marin, paysan.
Marin, paysan, t'es qui toi? Laissez-moi passer, bordel! Ah, bouge pas. Aubergiste, client. Andor, je crois que tu as Vous du. cherchez Alelor, sachez qu'il est parti se reposer. Mais peut-être puis-je répondre à vos questions. Alelor, c'est Alelor! Je ne me présente pas. Voilà, donc du coup. Mise à jour. Heureusement, Andar est sain et sauf. Donc du coup, maison d'Alelor, et puis on va devoir le tuer parce que je n'ai plus d'argent. Où est du bateau? Oui, tout à fait. Donc, hop, petite diagonale. Allez, c'est type, on se non, je vais sauvegarder, oui. Ouch! Un peu de sang. Je vous arrête. Vous avez réussi à me suivre jusqu'ici, c'est que vous avez le nez fin. Super chérie! Oh! Ouais, il s'est transformé. Ouais, en fait, il va pas faire long feu et je pense être obligé de le tuer. En fait, il est pas trop fort. Ah si, quand même, il résiste un petit peu. Bon, il résiste plus. Ah, je vais devoir crever. Allez. Allez. Pef, mort instantané. Yay! Oh, il est redevenu humain pendant 2 secondes. Et donc là, normalement, j'ai une rondache. Oui, alors. La tête poids 6. Ah, c'est lourd. Donc, du coup. Voilà. Et je prends la dent d'Aléor. Alors. Pef, j'ai pris. Pef, TP. Et Pef, fin de quête. Salut! J'ai sa dent, enfin j'ai une dent. Alors, j'ai gagné 750 d'XP, ce qui est très très bien. Ouais, alors, donnez-moi plus d'or! Ouais, merci, au revoir. Et, pour rester honnête envers vous, frère, notre brave champion. Oui, que tout cela. Ah, j'ai gagné aussi 700 PO. Mais trop bien. Donc là. Pef, la quête elle est finie, elle est dans achevée. J'ai quand même résolu pas mal. C'est quand même bien. Du coup, on va se enfin rendre à la traque du culte. Et on va se retrouver dans le bois du Nord. Donc, petite ellipse. Et on se retrouve à tout de suite. Et nous sommes de retour dans la route du Nord. Alors, continuons un petit peu à explorer cet endroit. Cet endroit qui a l'air quand même un peu court. Un peu petit plutôt. Ça a l'air très très petit. Donc là il y a quelque chose, une route. Là on ne pouvait pas passer. Là il y a un pont. Non, là on ne peut pas passer, très bien. Donc du coup on va descendre. On va descendre tranquille. Là il y a un arbuste qui s'ouvre comme un coffre. C'est quand même très très classe. Oh, une petite maison aussi. Bonjour messieurs de... Ok, bonjour messieurs. Je suis content de vous voir. Prenez garde à ma colère. Je sens qu'il va y avoir une infection, une épidémie, un truc qui va s'abattre sur ma gueule. Ah ouais, là il y a un truc. Ah oui, quand il décède. Non mais. Dalin, arrête. Calme-toi. Qu'est-ce que c'était que ça? Le panneau dit attention, les mots s'éveillent. Amenez des armes pour venir voir grand-mère ou sinon restez chez vous, vraiment. C'est signé le fossoyeur. Ouh, je sais pas. Nous sommes donc face à un cimetière. Mais quel endroit cool.
hein, j'ai envie de dire. Alors, nous sommes, c'est la maison du gardien. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Bonne journée. Qui êtes-vous? J'occupe des trucs, c'est bien pierre très cher. Oui, je l'ai fait briller pour le ministère, c'est mon travail. Y a-t-il beaucoup de passages ici? Ah. Quel genre de secret? Approchez-vous, un peu plus encore. Un plus vieux membre de la confrérie des arcanes est enterré ici. Ah mon dieu, c'est quoi? Je suis débile. Confrérie des arcanes, la guide des pages de l'escane qui trône depuis le grand. C'est contre la ville, mais n'allez pas le répéter, surtout c'est un secret. Oh, vous n'y êtes jamais allé? Ah non, non, j'ai la clé bien sûr, mais il y a des zombies, ils montent. Des zombies? Ça me fait pas peur, un fossoyeur, ça a le cœur accroché, tu m'étonnes. Quel livre? Givre. Ah non, vous avez des livres. Tu me donnes la clé? Alors bluff. Est-ce que je bluffe? Est-ce que je persue? Bluff. Putain, ça marche pas. Oui, c'est vrai. Ok, 200 PO, si tu veux. Bah, un petit donjon. Allez, on s'amuse, on perd du temps encore une fois. Et puis bon, oh, il y a une magnifique carte tombale. Je pense que c'est la sienne. C'est une pièce perso. Petit trousseau de clé. Tranquille, easy. Donc ouais, c'est un petit donjon. Hein. Le scan, c'est pas encore pour tout de suite. Et puis, il faut garder la surprise. Voilà, donc... non, attends. Là, ici. Ah, la flèche. Voilà, alors... Non, allez. Petit combat. On se met en jambes. Tout ira bien, de toute façon on ne peut pas mourir, nous sommes beaucoup trop forts. Enfin je crois. Ah non, non, Dalin, reviens! Ah bah y'en a un autre. Bah parfait, donc des petits points d'XP. Ah y'en a un autre. Ah mais il s'étend jusqu'où ton truc? Alors, le cimetière, ok. Heureusement que les zombies sont lents et qu'on en a rencontré au début pour se faire un petit peu d'XP. Et quand même, c'est quand même pas mal comme cimetière, ça s'en va un peu loin. Bon, est-ce que là il y a un. Mais il y en a jusqu'où? Ah non, là c'est bon. Voilà. Les morts vivants sont désormais des vivants morts. Il y a un cadavre avec une potion. On ne l'a pas gâché. Donc ok, c'est quand même pas mal grand comme comme cimetière. Et puis alors là le... Ouh, un gros mausolée. Hein. Ah, attendez, il y a une statue. Une statue avec un anneau d'or. Oh, ah. Allez. Alors sarcophage, est-ce que j'aime... Alors, je vais réveiller un mort, moi, avec ma chance. Même pas. Allez, petit donjon. On est bien, on les posait. Voilà. On y va.
tombeau de frères profanes.